Bonsoir, c'est Ragboy. On se retrouve avec Koj pour une petite vidéo tutoriel sur les radios. Toutes les radios, en particulier celles qui sont dans Acre. D'ailleurs, il y en a d'autres encore dans les véhicules, mais on verra ça peut-être plus tard dans une manière beaucoup plus avancée. Et là, on se retrouve encore avec la 148 qui m'avait posé des problèmes précédemment et Koj m'a corrigé. Alors, je t'écoute, Koj, pour m'expliquer la 148. Salut, bah écoute, ouais, on va faire un petit topo sur la 148. Donc je sais que tu as plusieurs radios sur toi. Donc la première chose, c'est pour la sélectionner, on va passer par le menu Alt Maj E qui va permettre de sélectionner, de pouvoir choisir la radio que tu vas vouloir manipuler. Donc tu D'accord. fais Alt Maj E, tu arrives sur Radio List, Tout à fait. tu cliques dessus et ensuite tu choisis ta radio. Donc là, il y a la 148 Ouais. VHF, tu cliques dessus et elle s'affiche. Donc c'est comme si tu faisais CTRL MAJ X en l'ayant sélectionné avant. D'accord. Bon, ok. Donc, premier point, je vais t'expliquer ce dont on ne se servira jamais. Ce sont les deux boutons en haut de la radio, Ouais. tout en haut, Volume et et channel. Channel. Voilà. D'accord. Donc, effectivement, le bouton de Channel, tu peux le changer à partir de ici. Clic gauche pour aller vers la droite et Ouais, clic tout à fait. droite pour aller vers la gauche. Et pareil pour le volume, sachant que le channel on peut le changer aussi par les petites flèches qui sont en bas. Et le Ouais. volume, on s'en sert relativement rarement, mais c'est toujours bon de le connaître. Ok, tout à fait. Ensuite, on arrive sur donc le système en lui-même de la PRC. Donc la PRC 148, c'est une radio qui peut communiquer avec toutes les radios. Toutes les autres radios du jeu sauf la 343, parce que la 343 utilise un système particulier en 2,4 GHz, alors que la 148 VHF, UHF, 152, 119 et 117 utilisent un autre système entre 0,36 et 300 et des brouettes MHz, en gros, D'accord. pour communiquer. Bon. Donc, première chose à faire quand on prend sa radio, c'est sélectionner le canal. D'accord. Rassure-moi, j'ai pas besoin d'un oscilloscope avec moi. Non, 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 c'est juste, D'accord. on explique le principe de base pour qu'on puisse communiquer et que un mec avec une 343 s'étonne de ne pas entendre un mec avec une 148, même si ils sont tous les deux sur le channel 1. C'est Exactement. juste Tout à de fait. base. Donc, première chose, c'est sélectionner le channel, D'accord. soit avec le petit bouton en haut à gauche, soit avec les petites flèches haut et bas, comme c'est beaucoup plus facile. Donc, je t'invite à cliquer sur la flèche haut et bas Ouais. pour sélectionner. Donc, tu vois que tu as le 1CH Ouais, qui le change en channel, ouais. 2CH, 3CH, Et puis même et la fréquence en dessous. voilà la fréquence, qui est effectivement la fréquence en mégahertz de transmission de la radio. D'accord. Très bien. Oui, c'est très précis, hein, effectivement. Ça va trois chiffres derrière la virgule. Voilà, donc c'est des, D'accord. en gros c'est des presets, c'est des fréquences qui sont préenregistrées. On va pouvoir les changer si on a besoin, même si on en a très très rarement besoin, sachant qu'on a, si tu vas vers le bas, 100 canaux qui sont disponibles. Ah oui, effectivement. Donc Ok. première chose à faire quand on prend sa radio, c'est se mettre d'accord avec ses petits copains et choisir le canal. Donc ça, on l'a fait. Tout à fait. Deuxième point, on a choisi le canal 1. Ouais. On va changer la portée de la radio. D'accord. Donc on va appuyer sur mode Ok, une j'appuie. première fois et une deuxième fois. D'accord. Et on va avoir 200 qui apparaissent. Donc il y a current 100 et new 100. Ok. Donc 100, il ne s'agit pas de mètres, il s'agit de milliwatts. D'accord, donc. C'est-à-dire que là, on a 0,1 watts de portée ou de puissance radio. D'accord, donc contrairement à ce que j'avais fait précédemment, là c'est pas des mètres, hein, c'est bien des watts, d'accord. Ou des milliwatts, tout à fait. Voilà. Pour être Donc précis. effectivement, je pense que ça aurait un intérêt si le taux de batterie était géré. Ouais. Parce qu'effectivement, plus une radio porte loin, plus elle doit envoyer de la source et donc bouffer de la batterie. Aujourd'hui, on n'a jamais eu de problème tout en étant en portée maximum de batterie à plat. D'accord, bon ça c'est pas encore pris en compte, mais je pense qu'il y a des modeurs de Ace, si un jour ils se mettent d'accord, ils nous mettront des batteries à rajouter. Peut-être. Après, je ne connais pas la vraie autonomie d'une radio 148 dans la vraie vie des Bien sûr, altitudes. oui. Donc, si ça se trouve, c'est sur plusieurs jours, et de toute façon, avec la vraie autonomie, ça n'aurait aucun intérêt pour nous qui ne jouons pas plus de 2-3 heures, 4 heures, si on est vraiment très en forme. Ouais, c'est clair. Ok, donc. Là, comment je fais pour augmenter la portée pour entendre mes amis qui sont derrière une colline? Donc, pareil, ça va jouer avec les petites flèches haut et bas. Donc, si tu vas vers la flèche du haut, tu vas
passer par 500, 1000, Ouais. 1300, 1600, 2000, 2500, 3000, 4000 et 5000. 5000 qui est la portée maximum. D'accord, 5000. Si tu es un petit malin, à partir de 100, tu cliques sur la flèche du bas pour arriver à 5000 directement. Eh oui, ok, tout à Voilà. fait. Une fois que tu as 5000 en new, tu appuies sur ENT, la touche en bas à gauche du petit clavier. Ok. Ça revient à l'écran d'accueil, c'est bon, tu es au maximum. D'accord, je vais revérifier en appuyant deux fois sur mode. Voilà, 5000 sur 5000. Donc c'est bon. Voilà. Ok. Très bien. Je pense qu'on a vu les notions de base sur cette radio. Est-ce qu'il y a une précision pour les gars hardcore qui veulent faire du PVP et qui veulent avoir leur propre fréquence pour pas se faire écouter par inadvertance? Écoute, Jamy, c'est une excellente question, je te remercie de l'avoir posée. Il y a effectivement un moyen de personnaliser soi-même sa fréquence radio. D'accord. Comment fait-on? Pour choisir une fréquence particulière. Par exemple, on fait du PVP, vous savez que les autres sont sur le channel 2 et vous les espionnez et vous voulez pas que eux vous espionnent. Donc à partir du channel 1 toujours, qui va pas être utilisé en jeu, on avait appuyé une fois sur mode. Très bien, oui. On a donc 6 zéros qui apparaissent et le 1 channel et en dessous 0,36,625 qui est la fréquence de base du channel 1. Donc avec le petit bouton GR, on va sélectionner un des 6 zéros. Donc c'est pas clair, mais aujourd'hui il est sur aujourd'hui même à ce moment précis, il est sur le tout premier zéro qui est tout à gauche. D'accord, Donc donc. si on va dans les flèches en bas, en haut et en bas, Ah oui, je le vous voyez change. que ça change. D'accord. Et si j'appuie sur GR, je décale d'un digit vers la droite. Exactement. Ok. Donc là, je vais t'inviter à faire GR0. Donc le 0, 0 pour le premier. Ouais. Ensuite, GR, on va changer. On va mettre à 0, par exemple, à 40, à 4. À 4, très bien. Ensuite, GR, on met 0. Ok. Et en gros, ça va être. Ensuite, GR2. Ça Et fait GR23. ouais. Donc. 2 Et le 0, le dernier 0, tu le laisses au 0. Donc en gros, là, Ah. tu as 0,4, Ouais. 0,2, 30. Ah, je me suis trompé. Bon. Alors, C'est pas grave. 0,4, 0,2 et 30. D'accord. Alors. Hop. Non. Touc. Encore. Encore. 30. Je décale. Je reviens à 0 ici. Et voilà. Donc 0,4, 0,2, 30. D'accord. Et là, je valide. C'est ça. J'appuie sur Enter. Alors, tu te mets une dernière fois sur le GR. Ouais. C'est fait. Pour avoir bien le dernier zéro qui est sélectionné, et tu Ouais. appuies sur Enter. Ça n'a pas fonctionné. C'est un échec. Ça Alors, a pas je vais fonctionné, non? recommencer. 0, GR, 4, slash, 0,2. On est d'accord. Je recommence. Et 30, tu m'as dit à la fin. Alors, effectivement, je pense qu'il y a un bug avec cette version. Et on va pouvoir sélectionner que des MHz en 0,0. Donc, si tu veux sélectionner le 0, par exemple, tu mets 0,4,0,0,0,0. Alors, Et ça va pouvoir c'est marcher. beau. 4, et je laisse tout en 0 derrière, et je fais Enter, et là ça fonctionne. Je suis en 0,40. D'accord. Bon, c'est déjà pas mal hein, en précision. On a vraiment un channel qui est personnalisé. Non, hein, pour nous trouver, faut au moins. Faut chercher, à mon ami. Oui, c'est ça. Sachant que globalement, c'est quand même quelque chose qu'on n'a jamais utilisé. Ça fait presque 4 mois qu'on joue avec Acre et on l'a jamais utilisé. D'accord, Pareil. attends, quoi, j'étais en train de me dire que finalement, bon, ça c'est pour être précis, mais on va peut-être jamais s'en servir. Alors, nous, effectivement, on joue depuis le mois de mars, donc on est au mois d'août. Et on s'en est jamais servi. On a essayé une fois hier soir et finalement on n'a pas eu besoin et c'était très bien comme ça. Donc effectivement, c'est pour les petits bidouilleurs, ça peut être utile. D'accord. C'est toujours sympa de savoir qu'on peut le faire, Bien mais sûr. franchement, c'est du bonus quoi. D'accord, juste une dernière question, je vois deux boutons que je sais pas ce que c'est, Escape et Alt, ils servent à quelque chose ou pas? Pas alors Escape oui.
quand on est dans un mode pour revenir à l'écran de départ Ouais, et tout le à fait. bouton Alt ne sert pas dans le jeu. Ok, très bien. Bon, je pense qu'on a fait le tour sur cette radio pour l'instant. On peut peut-être passer à une autre ou on peut passer à la plus grosse. On a fait le tour sur la radio parce qu'effectivement c'est la deuxième radio qu'on utilise le plus et qui a beaucoup plus de fonctionnalités que la 343. Ah Donc bah pour ça c'est l'instant c'est tout sûr. ce qu'il y a à savoir. D'accord, très bien. Donc je la range à la rigueur. Un petit menu donc, que tu m'avais fait voir pour switcher de radio. Donc je fais Alt, Shift et E. Maj et E, voilà c'est ça. Voilà. J'appuie sur Radio List et je passe à la 119. Oh, ça fait beaucoup Voilà. plus peur déjà. Donc c'est plus gros. Ah, c'est plus gros et Mais ne puis il y a t'inquiète pas. beaucoup beaucoup plus de boutons. Ne t'inquiète pas, il n'y a pas vraiment beaucoup de. Il n'y a pas beaucoup à savoir sur la 119. Donc pour les commandes de base, en gros, il y a deux boutons à connaître. C'est le bouton en haut à gauche, qui s'appelle Chan, dans lequel on a de gauche à droite Q, Man pour manuel, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, qui sont les 6 canaux préenregistrés sur cette radio. Sachant que D'accord. la 119 est une radio un peu plus ancienne que certaines autres. Ok, d'accord. Donc pour sélectionner les canaux, pareil, clic gauche pour aller à droite, clic droite pour aller à gauche. Hop, hop, Et hop. Ah ouais, on voit d'accord. qu'on a la fréquence qui change. Donc Ok. les fréquences préenregistrées de chacune des radios sont les mêmes pour toutes les radios, évidemment, sauf pour la 343. D'accord, donc en fait les fréquences du canal 6 seront exactement les mêmes que celles de notre précédente radio, La 148, à la 148. 152, Ok. la 117 aussi. Ok, et manuel, je pense que bon bah là tu changes tout en manuel avec le pavé digital. Exactement. Voilà. D'accord. Bon, Donc on ça va veut rester dire que sur canal 1. si tu veux communiquer avec une autre radio qui est sur le channel préprogrammé 34 par exemple, tu vas leur demander quel est le channel préprogrammé 34, tu vas le rentrer à la main avec le petit clavier et ça va marcher. D'accord. Bon, ok, très Ça, bien. c'est de l'utilisation avancée. Et ensuite, le deuxième bouton important, c'est Oui. le RF Power, qui est juste en bas à gauche du RF bouton Power. Chan. D'accord, oui. Donc, on a Low, Low. M, High et PA. Ouais. Alors, toujours à gauche pour aller à droite pour aller à gauche. On va nous toujours le mettre en High pour avoir la plus grande portée possible. D'accord, très bien. Ça, c'est Et donc pour ensuite. régler la portée. Ok. Voilà. Et ensuite, le bouton PA, PA ne sert pas dans Arma 3, mais servait dans Arma 2. En fait, il sert dans un véhicule. Ouais. Quand on monte, pardon, la 119 en rack du véhicule, on peut communiquer comme un haut-parleur sur le véhicule, comme la chevauchée des Valkyries dans le film bien connu, n'est-ce pas? D'accord. Ok, donc ça d'accord. Et sinon alors mode SQ comme sec voilà. Alors, les modes SC, FH et FHM, c'est des modes particuliers qui sont, d'après les développeurs, pas encore supportés dans le logiciel Acre. En gros, c'est des modes de cryptage de la radio. S, ça veut dire single channel. Enfin, c'est un petit peu complexe et surtout, Ok. c'est pas modélisé. Donc, ça sert à rien. D'accord, donc. Par contre, le deuxième bouton, enfin le troisième bouton qui va être un peu utile, C'est le volume. mais pas vraiment, c'est le bouton volume. Ouais. WHSP pour Whisper, avec D'accord. toujours pareil, clic gauche vers la droite et clic droite vers la gauche. Donc le Ouais. bouton volume est à droite, je Ouais, pense que tu le tout montres à avec ta fait, je souris, le vois. la droite du clavier Je numérique. joue avec. Je joue Voilà. avec. Ok, très bien. On a fait le tour sur cette radio qui paraissait compliquée dès qu'on voyait la photo et qui en fait est finalement assez simple. Et en fait, qui finalement est assez simple parce que justement, on n'a qu'une seule partie des fonctionnalités qui sont programmées À et que fait. toutes les fonctionnalités dont on sert sont des fonctionnalités avec des boutons, avec des potentiomètres, quoi. Donc globalement, D'accord, ok. pas de difficulté. Ok, ça marche. Bon, bah très bien. Alors, on peut peut-être passer à l'utilisation à ce moment-là. Non? Ou tu as peut-être une autre idée? Si tu veux, oui. Sinon, est-ce que tu voulais voir la 117 ou pas? La 117. Alors, ça en est encore une autre qui est dans le shop, c'est ça? C'est encore une autre qui n'est accessible qu'à partir des hélicoptères. Ah.
Dans Arma 2, c'était une radio qui était modélisée uniquement en sac à dos, Ouais. mais aujourd'hui, elle est modélisée uniquement dans les hélicoptères. Bon, allez, pour le fun, on va la. Elle a une interface graphique ou pas du tout? Elle a une interface graphique. Ah, bon, on va aller voir ça. Donc je t'invite à monter dans l'hélicoptère. Ouais. Hop. Ah. Et donc dans l'hélicoptère, pour y avoir accès, ça va être un bouton un petit peu différent. D'accord. Donc tu vas faire Alt Maj A. Alt Maj A. Ok. Voilà. Et là tu as Vehicle Racks, Ouais. ANVRC-103. Tu cliques dessus et tu as Main Rack, ANPRC-117F. Tu vas cliquer une première fois Ouais. dessus et une deuxième fois sur Use Radio. D'accord, voilà, c'est Et donc fait. là, rien ne se passe, c'est normal. Ok. Ensuite, tu fais Alt Maj E. Alt Maj E. Oui. Tu as dans ta radio liste, et là, tu as la PRC-117 qui est apparue. 117. D'accord, très bien. Waouh. Voilà. Ok. Ah oui, je l'avais déjà entreaperçu dans Arma 2, celle-ci. Donc effectivement, elle rappelle un petit peu la radio, la 152, parce qu'elle est issue de la même marque. C'est D'accord. Harris dans la VRL. D'accord, ok. Et là, je pense que ça se passe un peu plus avec le pavé digital qu'avec les boutons. Effectivement, Ah. donc là il n'y a aucun bouton, Mais oui. à part le bouton off, CT, TDR, VLD, Z et All Clear, qui aujourd'hui n'est pas utilisé. Alors, à ma connaissance. Pas mal le petit bonhomme dans Clear. D'accord. Oui, excuse-moi. Voilà, donc à ma connaissance, ils ne sont pas utilisés. Ok. Donc là, pareil, je pense que si j'appuie. Non, ça marche pas. Ah, dans les presets, donc là, je peux changer de canal. C'est pareil, c'est les mêmes canaux qui ont été préconfigurés, ce que je vois. Voilà. Exactement, qui sont Ok. préconfigurés avec la touche preset, donc Le la touche volume. plus et moins à droite du Et pavé numérique. déjà au max. Ah oui, je peux utiliser aussi le pavé numérique. Non? Ah oui, non, de la. Oh là là. Non, pardon, c'est moi, je. Sur la radio, on va dire. Donc voilà. Ok, très bien. Donc première chose, c'est comme pour la 148, ce qu'on va vouloir faire dans les commandes de base, c'est sélectionner le bon canal. Donc là, on sélectionne le canal 1 toujours, sur les 100. On a toujours le D'accord. même nombre de canaux avec le même nombre de canaux même et les mêmes presets préenregistrés. Ensuite, pour changer la fréquence et la portée de la radio, donc on va appuyer sur les boutons 8, 8. WXPGM. Ouais. Ici, on va devoir sélectionner avec les touches gauche et droite Oui, le tout à fait. channel Le channel AV. con. Très bien, oui. Bon, je reste sur le channel 1. On va sur le channel 1 et ensuite on fait entrée, ENT. Ok, waouh, fréquence. Donc là on a fréquence CS Data SQL Power et Name qui sont préenregistrés. D'accord. Aujourd'hui j'ai fait des essais, il y a à part fréquence et power, il n'y en a aucun autre qui ne fonctionne. Tous les autres donnent des erreurs du jeu. Donc D'accord. on va aller gauche et droite pour aller sur power clignotant. Voilà, c'est fait. Power. Une fois que c'est power clignotant, tu appuies sur Entrée. Enter. Oh, j'ai un beau message d'erreur et puis je suis déjà en 5000 watts. Voilà, ça c'est pas Enfin, grave. 5 watts. Ouais. Donc là, c'est pareil. Sauf que la portée de base d'une 117 va être de 5 watts. Celle de la 148 de base est de 0,1 watts. Et Ah donc oui. là, c'est pareil. On va appuyer sur gauche ou droite. Donc à droite pour aller en haut, à Ah gauche oui. pour aller en bas, pour sélectionner la portée, plutôt la puissance, parce que c'est pas la portée, c'est la puissance qu'on veut. D'accord, jusqu'à Donc on va y 20 000. aller Jusqu'à 20 watts, quoi. jusqu'à 20 watts, qui est la portée maximum. Donc aujourd'hui, 20 watts, c'est la portée, c'est la puissance, pas portée, je me trompe, la puissance maximum qu'on va pouvoir apporter à la radio. D'accord. Et une fois que Donc c'est on fait. appuie sur Ouais. entrée. Une fois que c'est fait, j'appuie sur entrée. Voilà, et on revient à la base. Ok. Très Sachant bien. qu'il y a un détail que tu as peut-être dit mais que j'ai oublié de dire, c'est que la puissance, pardon, encore une fois, de chaque radio est couplée au canal. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on change de canal, il faut encore changer la portée. D'accord, parce que c'est une préférence qu'on peut faire par canal, tout simplement. Voilà, exactement. C'est-à-dire D'accord. qu'effectivement, là, si tu resélectionnes avec le bouton 8, Ouais. tu sélectionnes le canal 1 et tu vas dans Power. Ouais. Là, Quand tu j'aurais fais déjà entrée, les tu auras 5. bien 20 000. Ouais. Voilà. Si tu Mais sélectionnes par le exemple, ouais. canal 2, Voilà.
Si je sélectionne le canal 2, Enter, je vais à Power, voilà, Enter, je suis à 5000, je suis pas à 20 000, tout à fait. Voilà, exactement. Ok, d'accord, très bien. Bon, ça c'est noté. Ok. Bon. Et nous voilà pour les utilisations. Ok, très Sachant bien. que la 117 s'utilise exactement de la même manière que les autres radios. On parle en PTT avec le push to talk. Comme cela, j'espère que tu m'entends. Je t'entends très bien, mais je suis avec la 117, tout à fait. Voilà. Sachant que quelle que soit la radio que tu disposes, même si tu es la 148, la 152 ou la 119, tu m'aurais entendu parce qu'on est sur le channel 1. Exactement, exactement. Mais ça sera affiché en bas à droite avec écrit sur quelle radio j'étais, qui était là. Donc, Voilà. ok. Donc là, je t'invite à faire CTRL MAJ X pour quitter l'interface Contrôle majuscule X. Ouais. et à descendre de l'hélicoptère. Je fais pas stop use. Non, justement, descendre de l'hélicoptère. Ok, keep out. Ok. Voilà. Get Et out. là, Ouais. si tu fais Alt Maj E quand tu es à côté, Alt. Ah, je reste à portée? Ok. ouais. Alt, Maj, E, Radio List, je l'ai plus. Alors, parce que tu t'es trop éloigné, mais D'accord. normalement en t'éloignant pas beaucoup, tu Ouais. peux avoir toujours la même. Tu peux garder Ah bah je l'ai pas. la même radio. Je l'ai plus. Hop, Radio Donc List. là, pour le Bon. coup, il va falloir Bah. remonter dedans, Pour le coup, je l'ai. Ah oui, d'accord, ok. Faut pas la trop. resélectionner. Ouais. Hop, on remonte. Ah oui, faut que je la resélectionne. Donc, Alt, Shift, Altmaj E. A. Voilà. La 119. Bah, je l'ai pas du tout, là. Attends. J'ai fait un problème. Il y a un problème ou pas? Alt, Shift, E. Radio list, j'ai la 343, la 119 et la 148. Alors c'est Altmaj A pour sélectionner Ah, pardon. Alt, Maj, A. Là, je la sélectionne. Là, j'y vais. Je l'utilise. Je descends. Je reste à portée de main. Et je fais Alt, Maj, E. Radio list. Et je l'ai toujours, la 117 en F. Voilà, qui est là. Magnifique. Donc, au cas où si ça chauffe et que je dois pas trop descendre, je dois pas m'éloigner de mon Little Bird, je peux toujours envoyer un message radio avec celle-ci. Si, voilà, si tu n'as que cette radio-là, D'accord. comme ce qu'ont quelquefois les pilotes, parce qu'ils n'ont pas la place d'emporter une autre radio, ils préfèrent emporter des munitions ou des smokes en cas de ou des first aid kits en cas de problème, Bien sûr. ils auront toujours la radio 117. Ok, très bien. Bon, on a fait le tour là-dessus? Sur les radios, hein, je crois qu'on a vu tout. Ça fait trois radios qu'on peut emporter, une quatrième qui est dans un véhicule. On a autre Bah écoute. chose? Moi, je pense que j'ai fait le tour. Après, il y a des concepts un petit peu plus poussés de différence d'antenne entre VHF, UHF, de portée, de tests qu'on a fait, mais qui seront, à mon avis, intéressants à développer dans une prochaine vidéo parce que on a au moins de toute façon fait les bases ensemble. Tout à fait. Eh bien, on va se retrouver dans une prochaine vidéo. Allez, à ciao! Salut!